Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo rangement, organisation, mais également routine, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai donc commencé cette journée par aérer la chambre, comme à mon habitude. La première chose que je fais le matin, c'est vraiment de venir aérer l'appartement pour pouvoir renouveler l'air et ensuite je m'occupe de faire mon lit. D'ailleurs, vous me demandez très souvent d'où proviennent mes oreillers et aujourd'hui, j'ai envie de vous en présenter un qui est de la marque Sleep & Glow et c'est vraiment un oreiller que je trouve super innovant. Celui-ci, c'est le modèle Omnia, je vais vous en parler tout de suite. Et comme vous pouvez le voir en image, il a une forme assez particulière puisque ici je vous montre qu'il a une petite encoche et d'ailleurs il en a une de chaque côté. Ces petites encoches vont permettre bien évidemment de pouvoir bien se positionner pendant le sommeil puisque l'oreiller Omnia aide à combattre et à prévenir les rides du sommeil et contribue à réduire les sensations de gonflement du visage. Et ça, je peux vous dire que chez moi c'est un réel problème. Moi, le matin, je me réveille très souvent avec le visage super gonflé. Et je pense clairement que c'est dû justement à la compression de mon visage sur mon oreiller. Il est fabriqué à partir d'une mousse à mémoire de forme et ça c'est vraiment trop bien puisqu'en fait il va venir s'adapter vraiment à la forme de notre visage et de notre cou pour pouvoir nous offrir un meilleur confort de sommeil. Et ce que j'apprécie également par-dessus tout, c'est cette taie d'oreiller en soie qui elle est vraiment très agréable au contact de la peau puisqu'en fait elle n'est pas du tout rêche. C'est vrai que la peau glisse facilement dessus et puis c'est très frais et très agréable. Je pense bien évidemment que sur le long terme, l'oreiller peut être très intéressant et c'est un très bon investissement puisqu'on le sait, la position dans laquelle on dort favorise notamment l'apparition de certaines rides. Si jamais cet oreiller vous intéresse, sachez que je vous ai mis le lien en barre d'informations. J'ai également un petit code promo pour vous qui s'affiche maintenant à l'écran qui vous donne droit à moins 15% de réduction jusqu'au 23 juillet sur tous les produits. Et après le 23 juillet, le code vous donnera moins 10% sur les oreillers et les couvertures. Je passe ensuite au niveau du séjour et là je vais retirer tout ce qui est plaid et tes doux coussins pour pouvoir les mettre au lavage. Vous le savez, je le fais très régulièrement, alors non seulement parce que j'ai des animaux et que ça salit très vite, mais c'est aussi pour pouvoir maintenir tout ça propre et avec une bonne odeur. Je trouve que c'est toujours plus plaisant. Et pour pouvoir protéger le fauteuil en attendant que les plaids tournent en machine, je vais venir mettre d'autres plaids bien évidemment. Vous le savez, c'est toujours à cause des animaux, surtout que Lucky, bah voilà, il monte sur le fauteuil sans que je m'en aperçoive, même si je lui dis non. 5 minutes après, il y retourne, donc bref, j'ai abandonné. Voilà, comme ça au moins je sais que c'est protégé le temps du lavage.
Et pendant ce temps-là, moi je vais en cuisine et je vais revoir un petit peu l'organisation sous l'évier. C'est vrai que depuis un petit temps, tout est un petit peu en bazar, je m'y retrouve plus, donc je me suis dit qu'il était temps de mettre cette organisation à jour. Donc dans un premier temps, je vais commencer par tout retirer, je vais passer un bon coup de propre et ensuite on passera à l'organisation. Sous mon évier, c'est là où je mets tous mes produits d'entretien, ce que j'ai besoin au quotidien. Et la semaine passée, j'ai retiré tout ce qui était stock, puisqu'en fait, tout était casé un peu dans le fond de l'armoire et je n'arrivais pas à voir ce qu'il me restait au moment de mes courses. Donc je me suis dit que j'allais le déplacer et le mettre dans l'armoire qui était dans mon séjour, puisque j'avais un peu de place. Et ici, eh bien, je vais revoir toute la petite organisation. Dans un premier temps, j'ai eu cet organisateur sur le site de Shein. Et ici, je vais y mettre tout ce qui est pastilles pour le lave-vaisselle. C'est un petit tiroir en plexi que je trouve assez pratique et honnêtement, je pense que ça peut me faciliter la vie au quotidien, donc je vais venir y mettre mes petites pastilles. Dans ce petit bac, je vais venir y ranger tout ce qui est microfibres. Alors de base, j'avais rangé mes microfibres dans un bac avec couvercle, mais honnêtement, c'est pas super pratique au quotidien. Je veux vraiment quelque chose qui soit facile d'accès et là, c'est vraiment idéal. Donc je vais venir les changer de place et je vais les mettre là-dedans. Ce petit bac, je l'ai eu chez Ikea, mais vous avez exactement les mêmes chez Action si jamais il vous intéresse. Et concernant les fameuses boîtes avec couvercle, on me demande à chaque fois d'où elles viennent. Et elles viennent d'un magasin qu'on a ici en Belgique qui s'appelle Wibra. J'adore ce genre de boîtes parce que je les trouve ultra pratiques. Elles sont vraiment très grandes. Vous avez d'ailleurs plusieurs formats. Et moi, j'en ai partout dans mon appartement. Ce petit panier-ci vient également du magasin Wibra, mais je pense honnêtement que vous pouvez le retrouver soit chez Action, soit chez Zeman. Moi, je m'en sers pour y mettre le liquide vaisselle et mes éponges. Comme ça, voilà, au jour le jour, c'est plus pratique. Je n'ai plus qu'à prendre mon petit panier et à le ranger par la suite. Ces petits bacs-là, vous les retrouvez chez Action et ils existent en trois coloris, en blanc, en noir et en transparent comme celui-ci. Alors ils sont vraiment très bien puisque vous pouvez y ranger pas mal de choses. Moi j'y mets mes produits d'entretien que j'utilise tous les jours.
Et voilà le travail, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est beaucoup mieux maintenant. On se retrouve le lendemain en tenue de pompa et avec les cheveux attachés, puisqu'on va venir donc remettre les plaids en place au niveau du fauteuil, mais je vais également venir l'aspirer avec l'aspirateur anti-acarien. Surtout, c'est vraiment pour retirer tous les poils d'animaux. Je le trouve ultra puissant cet aspirateur et il fait vraiment bien son job. Les plaids que je mets sur mon canapé, eux, viennent de chez Action et c'est vraiment des plaids que j'ai payé trois fois rien. C'était juste pour protéger le canapé, pour pas devoir le laver trop souvent avec le bissel. Vraiment, c'était une catastrophe. Et comme il est beige, c'est franchement limite. Bref, si jamais ça vous intéresse, sachez que vous en aviez vraiment de toutes les couleurs. Il me semble qu'il y avait du bleu, du gris, du beige, du blanc. Franchement, c'est top. Si jamais vous avez un canapé comme le mien et que vous n'avez pas envie de le laver tout le temps, c'est vraiment la solution miracle.
Je remets ensuite en place le petit panier où je range mes plaids puisque je l'avais également lavé et j'ai également mis la housse en machine. Comme ça au moins, tout sera rangé au niveau du séjour. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, et bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, et bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.